Alors bonjour, on se retrouve à la station des Agudes avec Virginie Duchamp, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une skieuse, c'est ça? Racontez-nous un peu ce passé dans... Alors bon, j'ai d'abord travaillé, je faisais les remontes pentes en fait et... Désolée. Je faisais les remontes pentes, ça m'émeut de voir ces images. Et petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas descendre plutôt que remonter. Et puis voilà, c'était moi toute petite. Et donc voilà, ça m'a passionné tout de suite et ça a été le slalom. Après, slalom, exactement. C'était mes premiers moments. Alors évidemment, ça n'a pas été la réussite tout de suite. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de chocs. Beaucoup de chutes. Là, l'entraînement était assez dur, vous voyez. Vous étiez enchaînée par vos parents, c'est ça? Voilà, enchaînée. Bon, là, j'avais déjà oublié. Voilà, j'avais déjà oublié l'épreuve de l'enchaînement et puis c'était des vraies chaînes. Et là, c'était sans gants et il fallait pas tomber, sinon on avait les doigts qui devenaient bleus très très vite. Mais c'est vrai que c'est une passion, hein. Il faut aller jusqu'au bout de la passion, voilà. Et là, regardez, c'est déjà beaucoup mieux. Et voilà, alors bon là c'est un peu un saut dans le temps, ça c'est mon adversaire principal. J'aurais été très... Ah ben voilà, non pas du tout. Ma première coupe. Vous êtes arrivé combien? Non, quatrième. Mais ils ont pris des coupes à tout le monde sur ce championnat-là. Bon, et puis bon, vous voyez que c'est une autre époque, hein. C'était la coupe de cheveux, tout ça. Oh, et puis... la vitesse quand même. Ah ouais, beaucoup, j'ai pris beaucoup de... voilà. Et on vous retrouvait pas dans les journaux, comment vous expliquez ça? Ah, la coupe de cheveux. Ça a tué ma communication. Hein. Après, c'est allé beaucoup mieux. Vous voyez, dès qu'il n'y avait plus de photos, j'y étais. Et on m'a dit que vous avez une grande passion pour la plage. Pour la Alors, mer et tout ça. Les opposés s'attirent. Hein. Et c'est vrai. Alors, quand j'ai vraiment commencé à être célèbre, que j'ai eu de l'argent, j'ai essayé d'installer, vous voyez, entre le creux à droite là et celui à gauche, une piscine avec du sable fin. Ça n'a pas marché. J'avais des scientifiques et tout qui m'avaient dit ce sera bon, mais non. Voilà. Bon, ben on vous remercie. Je vous en prie. Je suis pas sûre qu'on puisse en sortir quoi que ce soit.